À la présidence, porte-parole de la présidence, Excellences, Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Excellences, Monsieur le ministre chef de cabinet, distingués leaders et acteurs politiques, honorés et honorables sages religieux et coordination régionale. Mesdames et messieurs, ce samedi 15 janvier est désormais une journée singulière et la cérémonie qui nous réunit devient solennelle. Solennelle parce que, pour la première fois, le chef de l'État lui-même, dans son palais, reçoit une frange importante de la société active pour que désormais nous fassions l'histoire ensemble. Mais la solennité ne s'arrête pas là seulement. Elle nous permet de vous saluer, Monsieur le Président, et de vous remercier pour des actes forts, significatifs, symboliques, patriotiques et responsables que vous avez posés depuis le 5 septembre dernier. Nous vous en remercions. Je parle ici au nom de la coalition AAD, l'Alliance pour l'alternance et la démocratie, composée du ministre Jean-Marc Tigliano, du ministre Kabele Camara et du ministre Jean-Paul Sarr, qui représente ici le PUP, et de M. Kourouma du parti Guide. C'est en leur nom que je vous porte cette parole. Pour vous dire que la clé de voûte, le goulot d'étranglement de toute transition, c'est la durée de la transition et le contenu de la transition. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, vous n'avez pas d'ennemis ici. Vous n'avez que des amis, des supporters et des accompagnateurs volontaires ici. Le temps de la transition, nous le définirons ensemble, dans la quiétude. Et la raison pour laquelle je le dis, parce que vous avez dégager ou engager deux chantiers, le chantier du dialogue et le chantier de la non-violence. Le chantier du dialogue, la concertation pour la réconciliation nationale. Voilà un concept auquel je tiens légitimement et qui, me semble-t-il, est un chantier principal de cette transition. Je vous en remercie. Le second chantier, la non-violence. Amener les Guinéens et Guinéennes à solder le passé, à dépasser les clivages ethniques, religieux, des questions personnelles, les déchirures historiques pour construire l'avenir ensemble, en toute responsabilité. C'est au nom de tout cela que je voudrais vous remercier et souhaiter vivement, comme l'ont dit ici mes prédécesseurs, qu'un cadre de concertation et de dialogue soit instruit, soit initié sous l'égide du Premier ministre, avec un partenariat notre chef de tutelle, le ministre de l'administration du territoire, pour que toutes vos initiatives soient calmement et paisiblement étudiées et que toutes nos propositions vous arrivent calmement, paisiblement, sans interférence et sans autre interprétation. Je vous remercie et je vous souhaite bonne et heureuse année. Merci, monsieur le président.